Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, le printemps arrive et c'est une occasion de vous présenter mon house tour spécial printemps. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, foreverspotless_bylamoni. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, commençons par le front porch. Comme d'habitude, je fais simple, j'ai gardé ma plante spirale, j'ai gardé les lanternes. Sur la porte, j'ai mis cette couronne, elle est blanche avec quelques fleurs roses. Et sur le sol, j'ai ce paillasson qui dit « Welcome ». Et comme je vous l'ai souvent dit, j'habite en hauteur, il y a beaucoup de vent, donc je ne peux pas me permettre de mettre beaucoup de décorations. Je vous invite à l'intérieur et on commence par le hall d'entrée. Alors je vais commencer par le banc. Alors ces coussins, les coussins roses, je vous les avais présentés lors de ma première vidéo sur la série décoration printemps. Alors c'est des coussins qui proviennent de HomeSense. Alors ce tapis vient aussi de HomeSense, je le mets souvent pour éclairer un peu mon hall d'entrée. Alors sur la console, c'est toujours mon ginger jar avec un gros bouquet rempli de fleurs et de lavande séchée. Alors les grosses fleurs viennent de chez Michaels et la lavande séchée vient de HomeSense. Alors tous les lapins viennent de chez HomeSense et je vais vraiment me focaliser sur ce qui fait décoration de printemps. Donc je vais vraiment pas insister sur les choses que j'ai d'habitude comme les livres, la console ou bien mon ginger jar. Alors la pièce qui vient après le hall d'entrée, c'est le dining room, la salle à manger. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, c'est en work in progress. Je suis toujours en train d'apporter des changements. Là donc j'ai fait très simple. Alors j'ai mon buffet, sur mon buffet j'ai deux lampes et j'ai mis ce pot de fleurs qui est là en permanence, mais j'ai juste ajouté une touche de rose. Et sur la table, c'est juste ce centerpiece avec effet miroir. Alors passons au salon maintenant, c'est un open concept, donc la salle est partagée avec la cuisine. Alors commençons par le salon, vous savez que j'aime la sérénité, j'aime pas beaucoup le glam, donc j'ai opté pour quelque chose de très simple. Donc j'ai mélangé des couleurs bleues et un peu blush, ça se retrouve sur les coussins, ça se retrouve aussi sur les tables d'appoint et sur la table, j'ai mis un gros bouquet de fleurs. Les coussins bleus viennent de chez HomeSense et les fleurs de chez Michaels. En fait, si c'est pas HomeSense, c'est Michaels, c'est Marshall. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup trop de magasins, beaucoup enfermés. Avant, j'allais chez Boucler, il y avait Pierre ou n'importe, mais tout ça, ça a fermé. Alors, pour les étagères, c'est juste de la vieille déco. Je suis juste allée dans mon débarras. Alors, la jetée de couverture, ça provient de HomeSense. Et j'ai une plante que j'avais dans ma cuisine, mais le vase en lui-même vient de HomeSense aussi. Allons dans la cuisine maintenant, on va commencer par le coin cuisine, donc avec cette table où on mange souvent. Donc j'ai ce vase avec un gros bouquet de fleurs que j'ai acheté à Marshall's.
Et ces œufs de Pâques proviennent de chez Marshalls aussi. Alors sur les comptoirs, c'est juste des œufs de Pâques qu'on retrouve dans tous les commerces de la place. Et sur l'une des armoires, j'ai mis ce plateau acheté à Michael's. Alors pour le mudroom, j'ai pas beaucoup décoré, vous savez c'est un endroit difficile à entretenir. Derrière cette porte c'est le garage, donc dès qu'on arrive du garage, on jette les chaussures, on jette les manteaux. J'avais déjà fait une vidéo sur comment j'organise, donc j'ai juste mis cette couronne. Alors je vous emmène dans la buanderie maintenant. J'ai pour thème la lavande, donc j'ai mis ce vase avec de la lavande, des fleurs de lavande. Pour mes boules parfumées, j'ai pris aussi couleur lavande. Et sur le mur, j'ai mis ce panier avec un bouquet à la lavande. Et j'ai acheté tout ça à HomeSense. Et voici l'autre côté de la pièce, donc j'ai juste mis un peu de verre avec cette petite plante. Alors pour le bureau, j'ai fait simple, vous savez que je tiens à ce que cette place soit toujours propre. Apparemment le mémo est passé, donc j'ai juste mis un pot de fleurs sur mon armoire de souvenirs. Vous savez c'est là où on paye les factures, donc je veux vraiment pas d'encombrement. Et sur le desk, j'ai mis ce signe qui dit « Hello Spring ». Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré toutes les pièces que j'ai décorées, les parties visibles bien sûr. Donc j'ai pas décoré les chambres, j'ai pas décoré le sous-sol. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse regarder le reste de la vidéo en images.